La septième course va rassembler les chevaux hongres de 3 ans. Chacun des chevaux présentés ici a remporté au moins 4 courses. Sur la ligne de départ, Folie de Lincoln, suivie de Ferme d'Ilbourne, de Schwing, ainsi que de son compagnon de course, Fierté de McCarthy, des écuries Foxfire. Le départ de cette course extraordinaire sera donné dans 5 minutes. Les guichets sont ouverts, tous les chevaux sont partants. Victor Pérez, bookmaker qui a réussi. Je me demande sur quel tocard il va encore parier. Ah, Madame Lewis, on dirait que c'est pour aujourd'hui. Une nouvelle robe ravissante. Très chic. Très, très chic. Et voilà, ça y est. Merci. Allez, Lindsay, on y va. En voiture. Papa a encore un coup de fil à passer. Allez, viens vite. Allô, oui? Oui, ne quittez pas. Oui, oui. Je vais voir s'il est là. Hein. Allô, monsieur Bethes? Oui, c'est pour vous. Merci. Oui, non, pas de problème. Absolument. Allô, oui, boulangerie Lolopolito, que puis-je pour vous? Salut, ici Gordon Rudd. Je veux 5000 gagnants sur autant d'emporte le vent. Dans la 9e, à Seaside. Une petite minute, je reviens. Psst, c'est Gordon Rudd. Il voudrait 5000 gagnants sur autant d'emporte le vent. Dans la 9e, à Seaside. Quelle est sa cote? 30 contre 1. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Du jour au lendemain, il nous pilonne. On dirait qu'il veut me couler. Bon, ben, qu'est-ce que je lui dis, alors? Je veux plus jamais prendre un seul pari de Gordy. Il a trouvé une combine. Non, je préfère le refiler à Pérez. Laissez cette lopette de Colombien l'inscrire sur ses registres. Et dites à Greer et à Cobb que je veux les voir maintenant. D'accord. Alors c'est d'accord, Gordon. On inscrit à 5000 gagnants sur autant on emporte le vent. À 30 contre 1. Merci. Papa, tu l'aimes comme ça? C'est mieux, oui. Je l'ai coiffé comme maman. Allô? Salut Alicia, c'est moi. Gordon? Mais enfin, mais où êtes-vous? Oui, il faut que je parte travailler, moi. Et avant, il faut que je ramène Lizzie à l'école. Tu devais être là à 7h. Il est 8h30. Oui, je suis désolé. Je vais pas te la ramener maintenant. Désolé, il y a du changement. Je t'expliquerai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas te dire ce qui se passe. Mais juste, ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Lizzie va très bien. Est-ce que ça veut dire que tu as l'intention de kidnapper ma fille? Non. Non, c'est pas ça. Il y a eu du changement. Dans quel genre? Tu viens de trouver encore une autre combine? Remporter 100 fois la mise dans les combats de catch féminin, par exemple? Je sais ce que je fais. D'ailleurs, en fait, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ce système. C'est sûrement pour ça que ça marche si bien. Mais où êtes-vous tous les deux? On n'est pas à l'appartement, alors épargne-toi le voyage. Je te rappelle plus tard. Je suis désolé. Je vous l'accorde, acquérir Financial Dynamics, ce sera pas facile. À cause de Mark Fuller, le directeur financier, un homme rusé. On a pris nos renseignements sur eux. Maintenant, on a plusieurs intermédiaires extrêmement discrets qui rachètent peu à peu les titres de Financial Dynamics. Je veux qu'on ait le contrôle d'ici 2 jours, c'est clair? À propos, je voulais vous dire. Christina. Oui, monsieur? Je suis là en train de jongler avec des pastèques. Qu'on m'apporte des infos, vite. Où est Alicia? Chick, je sais, je suis en retard et je suis désolée. Mais je suis allée voir Tom Dickerson en passant. Il m'a dit que les titres de Financial Dynamics sont en train de crever les plafonds. Maintenant, je suppose que c'est en partie dû à la pression que nous avons mise sur cet achat. Dans les 6 heures à venir, nous saurons ce qu'ils vont faire. S'ils veulent en rester là, s'ils font tout pour résister ou s'ils vont chercher du renfort. Attendez, attendez une minute. Qu'est-ce que vous me chantez là? Eh bien, je... Vous me dites que vous êtes allée voir Tom Dickerson en passant? Mais vous deviez rester en contact permanent avec lui dès l'ouverture du marché? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un autre job, Alicia? Vous avez pris le temps de nourrir les pigeons en venant ici? Non, Chick. Je deviens dingue ou quoi? Vous l'avez peut-être oublié, mais je tente de mettre la main sur une société de 200 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Je sais, mais j'ai eu des petits ennuis, des problèmes personnels. Ah oui, de l'acné? Mal aux fesses? Quoi encore? Des plaques de boutons partout?
Mon ex ne m'a pas ramené ma petite fille ce matin, comme prévu. Je veux pas en entendre parler, d'accord? On a tous nos problèmes. Moi, la seule chose que je veux, c'est pouvoir racheter cette boîte au meilleur prix. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'intéresse. Très bien, monsieur. Dites, est-ce que Booker a dressé le profil psychologique des dirigeants? Je veux savoir où je mets les pieds. Je veux pouvoir faire le tri, moi, là-dedans. Je vais voir où il en est. À propos, est-ce que vous comptez le faire maintenant ou tout de suite? Évidemment, vous devez penser que je n'ai pas suffisamment préparé ce dossier. J'avais l'intention pourtant d'être là à l'ouverture de la bourse, mais j'ai... Ça ne se reproduira plus. Mais qu'est-ce qui lui prend encore? Elle pique sa crise? Je sens que je vais devenir dingue si on loupe cette affaire. Hélène, trouve-moi cet article sur Annie Horton. C'est drôle, à part le New York Times, c'est le blackout. Tu sais, comme quand un pont se fait virer ou inculper. Enfin bref, je l'ai dans le dossier avec Forbes et les autres. Je verrai ça plus tard. D'accord. Dites-moi, cette étude sur les dirigeants de Dynamics, il me semble que vous deviez me la rendre à 9h ce matin. Bonjour, Madame Rudd. Non. C'est loin d'être un bonjour ce matin. Et spécialement quand j'ai affaire à des mâcheurs de chewing-gum ramollis de la cervelle. On n'est pas dans un dessin animé ici. On attend tous après vous, je vous signale. Ce que je veux, moi, ce sont des résultats. Et si vous ne pouvez pas m'en donner, je vais m'adresser ailleurs. Eh, hey, te gêne pas, hein, vas-y. Madame Rudd, est-ce qu'on peut se voir une seconde? J'aimerais vous parler. Al, il faut prévoir les mouvements en permanence, d'accord? Et dites à Tom et à Steve de vendre immédiatement, dès l'instant que les actions dépassent 25 points. Vendez par 10 000 dollars minimum pour ralentir les mouvements du marché. Je ne veux pas que ces actions grimpent au ciel. Sinon, tous les petits spéculateurs vont se ruer dessus comme des dingues. C'est quoi, ça? Une recherche sur les gros bonnets de Dynamics. Regardez le dossier Annie Horton. C'est bizarre, on a là un type super important et aucune presse sur lui en 6 mois. À vous de trouver la raison, c'est votre job. C'est vous qui le ferez, Alicia. Denise Booker se tire. Vous me laissez tomber alors qu'on est au beau mille... J'insiste pour que vous restiez. Vous ne pouvez pas partir maintenant. C'est ce que vous croyez? Alors fichez le camp tout de suite. Parfait. Non. Vous êtes viré. Et je vous donne le motif. Non-exécution d'une tâche assignée. Vous devriez ralentir la cadence. C'est mauvais pour vous. Vous habillez souvent comme un figurant de Fort Apache? Chez Teshima, je suis obligé d'encaisser ce genre de commentaires. Mais chez moi, ça marche pas, je vous préviens. Je voudrais vous parler. Je veux pas rester ici dans le couloir. D'accord. Voilà, j'ai un boulot pour vous. Il faudrait commencer tout de suite. J'espère que vous n'aviez pas de projet pour ce soir. Oh, c'est pas de chance. J'en ai justement un. C'est très important. Je ne travaille plus pour vous, Alicia. Vous m'avez viré, moi je me suis cassé. Deux raisons d'aller voir ailleurs. À moins que vous ayez oublié, bien sûr. Non, je vous ai réintégré dans vos fonctions, vous et votre secrétaire. Vous travaillez toujours à Teshima, vous travaillez donc encore pour moi. Vous pouvez pas me faire ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Il faut que je retrouve un photographe qui s'appelle Gordon Rudd. Et une petite fille, Elisabeth. On l'appelle Lizzie. C'est votre ex? Et notre enfant qui est âgé de 7 ans. Lui, normalement, il la prend le week-end. Apparemment, là, il aurait décidé de la kidnapper. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils sont allés. Je me suis rendue à son appartement, mais pour rien, c'était fermé à clé. Vous, vous avez travaillé dans la police. Ça m'a semblé être un choix logique. Je me suis dit que vous pourriez peut-être trouver un moyen d'entrer dans son appartement. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je vais voir ce que je peux faire. Depuis quand vous êtes divorcé?
c'est un déballage personnel que vous voulez, vous pouvez aller chercher ailleurs, c'est pas mon genre. Je veux seulement entrer dans cet appartement pour savoir où ils sont allés. Non, c'est qu'une question. C'est pas vraiment le Ritz ou le Carlton ici. Eh ben tant pis, on va jeter un œil. Tiens, on dirait qu'on a forcé la porte. Vous n'auriez pas par hasard une massue ou quelque chose dans le genre? Vous savez vous servir de ça? Il a fallu que je suive des cours pour pouvoir l'utiliser. Oui, ça m'étonne pas. Avant, c'était mon arme favorite. Vous restez ici, d'accord? Ça risque d'être dangereux. Alicia, il y a autre chose que cet enlèvement, non? Et ces deux types, qui c'était? Aucune idée? Il faut connaître Gordon. Si c'est pas une chose, c'est l'autre. Une fois, il a mis au point une combine pour gagner à coup sûr aux courses. Il observait les faits et gestes des vétérinaires. Si l'un d'eux pariait, il suivait. Merci. Une autre fois, il a décidé d'aller jouer à Las Vegas en essayant de retenir l'ordre des cartes. Mais il a eu du mal à mémoriser l'équivalent de 3 paquets en même temps. D'ailleurs, cet épisode nous a coûté notre première maison. Ah, mais il sait faire des photos. Si seulement il avait pu en rester là. C'est votre fille? Oui. Il sait la photographier. Vous savez que vous pouvez être vraiment très belle. Enfin, quand vous en donnez la peine. Arrêtez vos conneries, Booker. Je sais pas ce que vous cherchez, mais avec moi, ça prend pas. C'était juste un compliment, Alicia. Rien d'autre. D'accord. Oh, je suis désolée. J'ai vraiment passé une sale journée. Voilà. Ça va mieux? Et en plus, j'ai chic sur le dos maintenant avec cette histoire. Si je rate mon coup, je suis fichue. Mon Dieu, regardez-moi ça. Il a jamais appris à ranger. Eh, salut, c'est Booker. Écoute, là, je suis au 1667 de... Attends, c'est quelle rue ici? Rue Kennedy. Voilà, c'est rue Kennedy. Dis, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de toi. Ah, tu n'oublies surtout pas de prendre Dr. Sherlock. Merci, à tout de suite. Dr. Sherlock? C'est ce qui lui sert à relever les empreintes. Alors, Booker, on fait quoi pour commencer, moi et Dr. Sherlock? Bah, tu commences par la chambre, parce que c'est là qu'ils étaient. Et il y a également un cadre photo par terre, il est cassé. Enfin, tu vois, si tu trouves des empreintes. Par où on commence, là? Ah, mon Dieu, ça me fait revenir en arrière. Quand Gordon et moi, on était mariés, il avait l'habitude de prendre un peu d'argent à la banque et de le planquer. Qu'est-ce que vous diriez du bac à glace dans le réfrigérateur? Non, je crois que maintenant, ça se fait vraiment plus. Je vais voir quand même. Essayez les poches de sa veste de sport marron. Il a fait rajouter une doublure dedans. Non, y a rien.
Et le tiroir à chaussettes dans le fond. HL, cheveux bruns, bague en diamant, collier de perles, robe de Peter Neviello, aime les chaussures bicolores. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en sais rien. Eh, ça va me prendre au moins un ou deux jours, j'ai pas eu grand-chose. La plupart sont presque illisibles. Quand même, j'ai réussi à en avoir trois de bonnes. L'annulaire, l'index, le pouce, la main droite. Je te tiens au courant. D'accord, Hank. Merci beaucoup, à charge de revanche. Tu l'as dit. DS, boucle d'oreille en or, natte sur le côté, robe de soie de chez Annabelle, chaussures en croco. Ouais, alors? Ce sont de jolis vêtements. Je me demande ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose, forcément. Il n'aurait pas pris la peine de les cacher. Comment vous saviez qu'elles étaient là? Intuition. On y est. Pendant que vous attendez, faites donc des photos d'identité. Eh oui, Gordy, c'est la vie. C'est une manie. Pour le club des gagnants, je crois. Le club des gagnants? Oui, Gordon est en ce moment en train de préparer un bouquin qui doit s'appeler Le club des gagnants, un truc sur les courses. Il dit que ce sera un de ses livres qu'on verra bientôt traîner dans tous les salons. Écoutez... On ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a, mais à mon avis, on ne doit pas être loin du but. Ça y est, c'est terminé. Oh, Seigneur, je hais les pleurnichards. Alicia, je sais ce que c'est. Comment ça, vous savez ce que c'est? La seule chose qui compte dans ma vie, en dehors des gommes et des stylos, en dehors de mon micro-ordinateur, c'est ma petite fille. Il suffit qu'elle me regarde. Et alors je vois dans ses yeux qui je suis réellement. Oui, enfin, ce que je suis vraiment. Et ce soir, elle est avec Gordon. Et lui, il a encore je ne sais quel problème. Et moi, je suis là en train de regarder ses photos stupides dans ce studio encore plus stupide. Et je suis en train de me demander pourquoi d'un seul coup, plus rien ne marche dans ma vie. Dans une minute, ça va aller. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi dur avec vous. Et si, justement, quand on travaille avec des gens comme Chick Sterling ou Bob Hugg, il y a intérêt à être très 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 dur. Alors vous bossez comme Wonder Woman. Évidemment, votre supérieur vous en veut et la petite secrétaire vous en veut aussi. Et vous, vous acharnez sur le boulot de plus belle. Et après, c'est à la maison qu'il y a un truc qui vous manque. Très vite arrive le vendredi soir. Seulement, votre enfant part avec son père pour le week-end. Et vous êtes là, assise au pied de la baignoire, en train de pleurer. Et en plus, vous savez même pas pourquoi. Et ces types, alors, ils auraient pas pris la peine de tout saccager ici pour le plaisir s'ils avaient déjà mis la main sur lui? Non, moi je suis sûr que Gordon et votre fille vont bien. Vous voulez aller dîner ou autre chose, je sais pas.
Je veux bien. C'est vrai? Ça va, Tom? Pas trop mal, Vic. Les affaires vont pas très fort. Pourquoi tu m'as repassé son pari l'autre fois? J'ai beaucoup de frais, moi aussi. Je sais, oui, mais en ce moment, les temps sont durs. Ce type-là, Rudd, j'aimerais discuter avec lui. Je me suis dit que puisque t'hésitais pas à me refiler le boulot, tu pouvais aussi me refiler son adresse, je veux le voir. Tu sais, Victor, il a pas trouvé de système, il a juste une veine de cocu. Tu le sais bien, d'ailleurs, on est dans le même business tous les deux. Moi, je vais là où il y a du fric, Tom. Ce type a trouvé une combine, et je la veux. Il était cinglé, il a rien trouvé, je te dis. Je vais aller plus loin. Je fais une croix sur le dernier pari. Tu le gardes pour toi, mais je suis prêt à te rembourser ce que ça t'a coûté. Alors, sans rancune, ça te va? Je suis toujours très rancunier, Tom. Tu mens, mon petit père. Gordon Rudd a ruiné tous les bookmakers de la ville en pariant sur ses soi-disant tocards. Aujourd'hui encore, il s'en est bien tiré. Moi, je sens que tu veux mettre la main sur lui, seulement moi, je le veux. Arrête, il a eu du pot, c'est tout. Je le sais, c'est ça, rien de plus. Attends et tu vas voir. Je vais pas laisser cet oiseau de malheur me battre à ce jeu-là. Retrouvez-moi, Rudd, et vite fait, débrouillez-vous pour arriver avant les autres. On l'aura. Bienvenue chez moi. Ouais, c'est sympa. Merci. Je vous sers quelque chose? Non, j'ai pas soif. Quand Gordon et moi, on s'est mariés, on avait une vue, comme ici. Quand il faisait nuit, on restait là, côte à côte, on regardait. Et on parlait de bébés. On parlait des bébés qu'on allait forcément avoir. On s'amusait beaucoup. Ces types, là en bas. Ils vivent ici. Bon, cela. Et vous dites que c'est dur chez Teshima? Hé, hey, Denis, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ce qui se passe, inspecteur? Oui, Booker, ne me dites pas que vous avez perdu la mémoire. Eh ben, ces deux types en ont après son ex-mari, un certain Gordon Rudd. Parlez-lui de la liste. Une liste? Quelle liste? Non, c'est rien. Non, s'il y a une liste, je veux cette liste. Il n'y a aucune liste. Non, elle vient de dire qu'il y avait une liste. Son ex-mari a un bateau. Alors, on est allé lui rendre visite, mais son bateau prend l'eau. La liste était dedans. Et où est-ce qu'il est, ce Rafio? Il a coulé. Quand vous avez besoin d'aide, vous savez toujours où me trouver. Par contre, quand je vous demande de coopérer, là, c'est une autre paire de manches. Au fait, je voulais vous demander, est-ce que les noms de ces deux types-là, ça vous dit quelque chose? Monsieur, je sais tout. John Greer et Peter Grob, des hommes de main qui louent leur service au plus offrant.
Ça y est, le guichet information est fermé. On se reverra à Booker. Pourquoi vous ne leur avez pas donné la liste? Ils auraient peut-être pu en tirer quelque chose. Non, je préfère pas les mêler à cette histoire. Ça ferait beaucoup trop de monde. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais jeter un coup d'œil au studio de Gordon pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on essaye de vous kidnapper. Mais pourquoi? Ils veulent peut-être vous échanger contre sa super méthode. Alors c'est pour ça que Gordon a refusé de me ramener Elisabeth à la maison. Il croyait que je pourrais pas la protéger. Parce qu'il avait peur qu'il se serve d'elle pour lui mettre la main dessus. Possible. C'est quand même drôle, ça. La seule personne en qui j'ai confiance aujourd'hui, c'est justement quelqu'un que je viens de renvoyer. T'inquiète pas, petit Lolo. T'inquiète pas, c'est rien, c'est rien. Allez, calme-toi. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Non, rien. Je sais absolument rien, j'ai rien trouvé. Il est parti, il a pris sa fille, il a disparu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Pérez aimerait que tu restes en dehors de tout ça, compris? Oui. Bon, c'est pas qu'on ne croit pas, Tom. Mais juste pour en être sûr, on préfère que ce soit définitif. Un bouquin sur les courses de chevaux et pas une seule photo de cheval. Ah, voilà, j'ai la course de samedi. Très bien, alors essayez de trouver le nom des gens impliqués dans cette course qui auraient les mêmes initiales que celles qui sont sur ces listes. Vous croyez que ça pourrait être les initiales des propriétaires? Oui, ou des écuries, ou quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien. EL, ou DS, ou MC, ou une de celles qu'il y a là? Ouais. HL, cheveux longs, collier de perles, robe de chez Peter Noviello... Ou peut-être de chez Perry Ellis. Peter Noviello. C'est chez Peter Noviello, ça? Une bague en diamant. Si on pouvait voir ses chaussures, je suis prêt à parier qu'elles sont bicolores. Ouais. Voilà, on vient de trouver HL. On va essayer de voir les autres. D'accord. Boucle d'oreille en or, natte sur le côté, robe de chez Annabelle. Ça doit être DS. Forcément sous nos yeux, son fameux système. Vous en êtes sûr? C'est vrai, il ruine tous les bookmakers, mais eux, ils ne lui courent pas après pour récupérer leur fric. Par contre, s'il a trouvé le moyen de repérer quel cheval est là pour courir et lequel est là juste pour s'entraîner, on sait pourquoi ils le poursuivent. De quoi est-ce que vous parlez? Quand un cheval fait une course, c'est pas toujours pour l'emporter. Les propriétaires choisissent soigneusement le vainqueur. Ils peuvent pas retenir les montures, mais ils peuvent dire au jockey de faire simplement l'entraînement.
Ah oui, Gordon m'avait déjà parlé de ça. Et d'autres fois, il leur demande de mettre tout le paquet. Il se peut que Gordon ait découvert le moyen de savoir quel cheval court pour gagner. Comme ça, il met toutes les chances de son côté. Vous savez, Gordon m'a dit une chose assez amusante quand il m'a appelé hier matin. Il disait que son système, il le tenait de moi. Et que c'est pour ça que ça marchait. Alors c'est à vous de le trouver. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, sur certaines photos, les femmes sont mieux habillées que sur d'autres. Il y a une différence entre HL ici sur cette photo et HL sur celle-là, par exemple. Et si ces femmes étaient les femmes des propriétaires ou les propriétaires elles-mêmes? Essayez de voir si ces initiales correspondent à des propriétaires. Oui. Ah, ça y est. Hélène Lewis, HL. Le nom du cheval et la course? Dans la 9e, autant en emporte le vent. Attendez, je vais voir ce que donnent les résultats. Autant en emporte le vent, vainqueur à 30 contre 1. Et comment il a réussi? Si vous sortez faire une course ou si on doit vous prendre en photo, vous vous habillez différemment, non? Oui, enfin, j'essaie. Les propriétaires et leurs femmes savent si oui ou non leur cheval est là pour gagner. Ça y est, saisissez. Oui, en observant leur tenue, il peut deviner qui sera le gagnant. C'est plutôt bien vu. Ouais, je trouve que c'est pas con. Imaginez ce que ça aurait pu lui rapporter s'il s'en était servi à des fins plus honnêtes. Merci de m'avoir laissé venir. Ça risque de devenir dangereux. Les empreintes relevées dans l'appartement de Gordon sont celles d'un type appelé Esquinino. Il passe pour être un homme très violent. Reading m'a dit qu'il habitait ici. Le voilà. Vous vous souvenez, on l'a vu hier. Vous savez ce qu'il y a de bien avec cette voiture? Non. Je me fous de ce qui peut lui arriver. Comment ça va, vieille branche? Alors, pas qu'on se souvient pas de moi? Par ici la sortie, allez, avance! Je veux des noms, Paco. Je veux savoir pour qui tu travailles. Comme tu voudras. Allez, on va faire un petit tour en voiture. Vas-y, installe-toi. Il est pas bien, là. Qui c'est, mine-toi? Je veux savoir pour qui tu travailles. Tom Lollopolito. Ti Lolo. Surveille-le. Laisse toujours sa porte ouverte? Ferait mieux de s'en aller. On se réveille. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve, c'est quoi cette histoire? Terminé, je peux y aller. Ouais, bah vas-y. Mais dépêche-toi, il y en a d'autres qui attendent.
Et encore un gros tas d'ordures fumantes à dégager. Décidément, t'es un homme très occupé ces temps-ci, Booker. Eh ouais. Vas-y, je t'écoute. T'as peut-être quelque chose à me dire. On vient de tuer petit Lolo à cause de Gordon et de sa combine. Continue, tu m'intéresses. Et Squinino et un autre gars avec lui sont venus fouiller l'appartement de Gordon hier. Ils nous ont agressés, Alicia et moi. Très bien. Et alors? J'avais entendu dire que Esquinino travaillait pour Perez. Et hier soir, les hommes de Petit Lolo débarquaient à l'appartement d'Alicia. Alors j'en conclus qu'ils cherchent tous à coincer Rod. Tu veux dire que ces deux boucs se battent au sujet de ce macaque et de sa petite combine? C'est ça. Embarquez-le. Et saupoudrez-moi la baraque pour les empreintes. Vous, venez avec moi en ville. On va continuer à parler jusqu'à ce que je me sente mieux. Inspecteur, ils ont dû le prendre au saut du lit. Il y a des traces de bagarre là-haut. Oh, ça c'est le genre de casse qu'il vaut mieux pas laisser passer. C'est-à-dire? Je crois qu'on ferait bien de s'en aller. Mais non, c'est impossible, il veut nous ramener en ville. Qui ne tente rien n'a rien. Faut agir vite si on veut réussir. J'ai pas de temps à perdre avec lui. Qu'est-ce que vous attendez, venez? Je crois pas que le sergent m'en voudra si on lui emprunte sa voiture. Vous êtes devenu dingue ou quoi? Et donc avec moi au lieu de discuter. J'aurais jamais cru que je volerais une voiture de police. La mienne est bloquée par l'ambulance, vous avez une autre idée? Ça vous fait battre le cœur à ça. Tout à l'heure. Tout est dans l'attitude. Bonjour. Je suis allée chez M. Rod et j'ai récupéré toutes les affaires que tu avais demandées. Le bouquin sur les courses, les photos des propriétaires et les coupures de presse. C'est sur ton bureau, Dennis. Pardon, Monsieur Booker. Allez, trêve de formalité. Aujourd'hui, on va s'appeler par nos prénoms, d'accord? Comme vous voulez. Ali, ravi de te voir, mon chou. Oh, au fait, qu'est-ce qui vous fait dire que Gordon va essayer de parier dimanche? Je connais Gordon, il est complètement obsédé par le jeu. Même s'il a déjà gagné 1000 fois, il faudra qu'il essaye encore une fois. C'est l'idée qu'il pourrait perdre qui le pousse à jouer. Il ne va jamais sur place pour parier. Il a trop peur de se faire repérer par les gars de la répression des fraudes qui verraient en lui un trop gros gagnant. Ils vont forcément le cuisiner pour savoir si un jockey ou un entraîneur n'y aurait pas donné un tuyau. En tout cas, il ne peut pas parier dans la rue avec tous ces bookmakers qui lui courent après. Il devra aller à l'hippodrome et ça, ils le savent. Ça va pas être facile de le trouver. Si une de ces femmes est propriétaire ou femme de propriétaire... Et si on arrive à savoir sur quel cheval il va parier, alors on va le trouver, forcément. Moi, je m'occupe du journal, vous des photos. On va voir si on tombe tous les deux sur la même course. Très bien. On m'a dit que vous étiez arrivée, Alicia. C'est très gentil de nous accorder une minute ou deux de votre temps si précieux, alors que cette offre de 200 millions de dollars est sur le point de se débiner comme un crabe devant une marmite d'eau bouillante. Chick, je suis vraiment désolée. Il y aura une petite réunion des dirigeants. Elle aura lieu dès que ce carnage avec Financial Dynamics aura pris fin. Cette réunion aura pour but de déterminer si notre entreprise a encore besoin ou non de faire appel à vos services. Puisque je vois que vous vous intéressez aux courses de chevaux, j'espère que vous miserez sur le gagnant. Ça y est, mesdames et messieurs, les voilà partis. Le cordon bleu a pris immédiatement la tête et juste derrière, à une encolure, nous trouverons Belle de Nuit, suivie de Eurasie, elle-même talonnée par Coup de Foudre. Prince de la Rue tente de les remonter par l'extérieur. Il sera probablement à l'un des guichets à 100 dollars et il va faire son pari juste avant la course. Comme ça, les cotes risquent pas de changer. Le départ de la prochaine course réunissant les futures vedettes de la saison sera donné dans 5 minutes. Tous les guichets sont ouverts. Tous les chevaux sont partants. Sixième course réunissant aujourd'hui... Vous êtes sûr qu'il va venir? Ça fait déjà 6 courses. Il est nulle part. Je le connais bien, il va venir, c'est sûr. Et tant qu'à faire, autant lui laisser le temps de faire son pari. D'une pierre deux coups, on l'aura lui et le ticket gagnant. Bonne idée. Ah, au fait, monsieur Perez, merci de nous avoir laissé continuer. Ah, il n'y a pas de quoi. Maintenant que petit Lolo est parti, vous êtes les bienvenus chez moi. D'ailleurs, ça commençait à devenir un peu ennuyeux. Tant qu'on sait qui mène la baraque... J'ai pas de problème avec mes associés. Il vaut mieux que t'ailles rejoindre Lopez. Et ouvre bien les yeux. Vous
est en sécurité, ça va. Comment oses-tu faire ça? Tu te rends compte que tu risques sa vie? Arrête, Alicia, je ne risque la vie de personne, ça suffit. C'est ce que vous croyez, ils ont tué Tom Lolopolito. Qui c'est celui-là? Je travaille pour votre ex-femme et je vous conseille de partir d'ici très vite. Pas question, je suis là pour cette course, je veux faire enregistrer mes paris. Et si on allait discuter de tout ça ailleurs? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ceci est un hold-up! Attention! Ne me dites pas que c'est encore vous qui m'avez appelé, Booker. Comment ça va, inspecteur? Votre voiture est sur le parking, elle a été lavée, illustrée, le réservoir est rempli. Merci pour tout. J'imagine que ça suffit, peut-être. Et je vous refile aussi un gros poisson. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Victor Pérez. Et où il est? Juste derrière vous. Ça gaz, Victor? Cette fois, il va nous arracher la cervelle. Oui, monsieur Tachimoto. Chick Sterling. Comment allez-vous, monsieur? Monsieur Sterling, est-ce vous? Oui, monsieur. C'est un plaisir d'entendre votre voix. Vous avez l'air très en forme. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de vous voir. Ça fait combien de temps? Un mois depuis votre dernière visite? Est-ce que monsieur Rudd est là? Madame Rudd. Oui, bien sûr. Oui, elle est là aussi. Nous venons justement d'avoir une petite réunion à la suite de cette grande débâcle. Oui, vous êtes donc au courant? Oui, monsieur, je suis désolé, croyez-le. Nous avons fait de notre mieux. C'est aussi mon avis. Comment avez-vous su que le président, ce monsieur Arnie Horton, allait être inculpé pour fraude? Je tiens à vous féliciter encore, monsieur Rudd, pour avoir pris l'initiative de freiner cette acquisition. Nous aurions pu subir un grave préjudice en achetant cette société. Il va y avoir une suite de procès interminables. Monsieur Tachimoto? Alicia Rudd à l'appareil. Nous nous sommes vus l'année dernière durant les fêtes de Noël. Vous m'avez expliqué les enseignements de Bouddha, vous vous rappelez? Bravo! Nous avons besoin de gens comme vous capables de voir venir les problèmes et de prendre des initiatives. Je tiens absolument à vous revoir le mois prochain lors de ma venue chez vous. C'est du beau travail, monsieur Sterling. Merci, monsieur. Nous restons à l'écoute du monde ici. C'est comme ça que je gère mon échoppe. Merci d'avoir appelé. Alors que nous essayons d'acquérir une société qui vaut 200 millions de dollars et que son président se trouve inculpé pour fraude, il faut que ce soit Tokyo qui nous apprenne la nouvelle. On s'en fiche. On a de la chance de s'en être sorti. Je veux un rapport complet là-dessus, Alicia. D'accord? Vous l'aurez. Bon. Le japonais a le sourire aux lèvres. Et toi, on peut dire que t'as une chance de coq, Sterling. Dites aux relations publiques que je vais contacter le Times, le Journal, le Post-Dispatch et le Business Week. Je veux faire une déclaration concernant cette affaire. Dites à Donna de me donner l'horaire des séances photos. Je tiens à être présentable. À part ça, où est Booker? Bonjour. Ah, tant mieux, vous êtes là. Très bien. J'ai l'impression qu'il faut qu'on règle certains détails si nous voulons continuer à nous entendre. Vous êtes jolie ce matin. Comment va Lizzie? Elle va bien. Et je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur les événements de ces dernières heures. Je vous dois beaucoup. Mais les affaires sont les affaires et j'exigerai de chacun de vous un comportement professionnel irréprochable. Je ne tolérerai aucun laisser-aller. Je vois que ça s'est bien passé avec Chick. Très très bien. Apparemment, Horton, le président de l'AFD, détournait des fonds à des fins personnelles ou quelque chose d'autre dans ce goût-là. Et c'était bien sûr à vous de nous fournir ces renseignements. Ça fait partie de votre boulot, il me semble. Vous êtes sûr que ça va? Je vais très bien. Bien sûr que je vais très bien. Ok. Au revoir. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ?